Créer un calque à partir d'une sélection et le transposer dans une autre image. Donc, sur cet exercice, nous allons utiliser l'outil de sélection à main levée. Nous allons détourer la tête de la louve romaine pour ensuite la faire voyager dans une nouvelle image et lui attribuer une nouvelle place. Donc, je détourne la tête. Ici, voilà, la sélection apparaît par ses pointillés scintillants. Je vais copier cette sélection. Ici, je me dirige ensuite dans l'image suivante. Donc j'ai bien fait dans la première image édition copier. Et dans la seconde, je vais faire donc édition coller. Je viens de coller la tête de la louve romaine sur cette photo. Sur la partie droite de mon écran, je m'aperçois que j'ai signalé sélection flottante. Il s'agira donc de transformer cette sélection en calque. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur ce menu ou bien d'accéder à la même icône par ce menu suivant. Voilà. Donc ici, le calque apparaît, car il y a bien là une vignette et non plus un logo sélection flottante. On a la tête de la louve avec un nouveau périmètre qui ne scintille pas, qui nous marque les limites du calque transparent et que je vais pouvoir ensuite déplacer grâce à cet outil à différents endroits de mon image. Je vais essayer ici de le superposer à la tête du chien. Voilà, donc le principe de calque peut s'appliquer plusieurs fois, une fois que la sélection est copiée. La sélection peut se coller à l'intérieur d'une même image ou peut se coller sur différentes autres images. Calque créé.